se retrouve pour une petite vidéo sur Photoshop. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment j'avais fait mes faisceaux lumineux, mes effets spéciaux sur mon background YouTube. Donc je vais répondre en faisant une petite vidéo tutoriel. Donc pour ça il faut utiliser Photoshop. Vous faites fichier, ouvrir, donc vous ouvrez une image, l'image de votre choix. Moi je vais prendre celle-là, hop, voilà, c'est une image banale, hein. Il n'y a aucun effet dessus. Vous double-cliquez dessus pour faire disparaître le cadenas, hop, elle est déverrouillée, et maintenant vous faites nouveau calque. Donc, hop, vous vérifiez bien d'être sur le calque, et on peut commencer. Donc vous sélectionnez l'outil plume, et vous commencez à faire vos traits. Alors vos traits, en fait, sera là où passe le faisceau lumineux. Donc voilà. Pour faire les tournants, il suffit d'appuyer et de rester appuyé. Vous verrez qu'il y a une barre qui apparaît. Et de là, vous dirigez votre faisceau comme bon vous semble. Voilà, donc moi je fais assez vite et assez mal aussi. donc voilà, vous l'entourez, vous faites ce que vous voulez. Vous faites la forme. De la forme que vous voulez, et vous faites CTRL et vous cliquez sur autre part dans l'image. Donc vous verrez que le squelette, enfin le trait reste visible. Et maintenant vous allez dans pinceau, donc vous cliquez sur le pinceau, vous faites clic droit, ça va vous afficher l'option. Vous vérifiez bien d'être à 0 en dureté, logiquement vous êtes à 100% par défaut, et même pour tout ce qui est tout ce qui est fait en général, c'est 100%, et vous mettez un pixel de 10, je pense que ça ira. Donc vous allez vous retourner sur l'outil plume, vous faites clic droit, contour du tracé. Donc là vous verrez, il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Logiquement, pareil, par défaut, vous êtes sur crayon, donc vous repassez sur forme, enfin vous passez tout court, et vous faites simuler la pression, qui là aussi, je pense, n'est pas par défaut, donc il vous suffit de cocher la petite case. Vous faites OK et vous pouvez voir apparaître à l'écran déjà de la lumière, enfin un trait blanc qui suit le tracé que vous avez fait tout à l'heure. Donc pour l'instant c'est pas encore ça qu'on veut. On va double-cliquer sur quelques 1, donc là où vous avez fait la lumière. Et on va cocher lueur externe, donc vous cliquez dessus carrément, vous le cochez et vous mettez la couleur, hop, donc c'est externe, donc ce sera la lueur à l'intérieur de votre bande que vous venez de faire. Donc je vais mettre en élément technique grossi 10%, et la taille je vais mettre 10 aussi, voilà. Je pense que ça va être assez gros quand même. Donc après, c'est à régler en fonction de votre image. Ouais, moi c'est peut-être un peu gros. Je vais mettre à 8. 8 et même en taille, je vais mettre 8. Même peut-être 5, je sais pas. Ouais, 5 en fait, c'est bon. Mon image est assez petite. Donc je mets 5 en grossi, 5 en taille. Vous pouvez après vérifier comment ça donne sur votre image. Parce que votre image n'a pas forcément la même taille que la mienne. Vous allez dans lueur externe, interne, et vous cochez pareil. Vous venez, vous mettez votre lueur. Alors ce sera les bords de votre faisceau lumineux. Donc moi perso je le mets les mêmes pareil. Et par contre là vous ne touchez rien. Donc, voilà. Vous passez maintenant dans incrustation de couleurs. Donc c'est 2, 4, 5. 5 options en bas, vous allez mettre dans le blanc. Donc voilà, incrustation de couleur cochée, lueur interne et lueur externe. Ok, et vous pouvez déjà voir que il y a votre faisceau de lumière qui a apparu et il est de la couleur dont vous avez choisi. Donc maintenant on va peut-être zoomer un petit peu. Hop, pardon. Le zoom est juste en bas et tout en bas. Donc, cliquez dessus. Je crois que c'est CTRL plus pour zoomer aussi. Donc voilà.
on va me passer ici. L'image est pas de très bonne qualité, mais bon, c'est pas très grave. Et vous allez maintenant dans la gomme. Donc moi je vous conseille de cliquer sur cette petite icône là. Ça va faire comme un calque dans un calque en fait. Donc voilà. On va maintenant outil gomme, ça c'est bon. Et on va commencer à gommer. Donc moi personnellement je vais le faire je vais faire ce faisceau en train de m'entortiller. Donc je vais commencer par le faire passer derrière moi. Donc je gomme. Donc moi je vais assez vite hein, mais si vous voulez que ça donne un bon travail, je vous conseille quand même de prendre votre temps. Donc là il va derrière moi. Hop. Ah, avec l'arbre, c'est pas sûr que ça rende très bien. Là ça passe derrière moi. Hop. Regardez bien hein, entre les jambes. Faut que ça reste. Ce qui passe derrière moi. Donc logiquement, ça devrait rester. Voilà. Vous gommez. C'est vrai que ici ça fait assez bizarre parce qu'il y a l'arbre. Donc c'est pas forcément très joli. Donc vous dézoomez. Hop. Et vous pouvez voir. Oups. Vous pouvez voir que votre faisceau est apparu. Hop. Donc là, logiquement, ça fait un rendu comme ça. Donc bon, là, c'est vrai que j'ai pas choisi une très belle image pour forcément pour faire cet effet. Mais vous pouvez voir, ça donne des trucs pas trop mal. Que j'ai, moi, je personnellement, j'avais fait comme ça pour mon background sur YouTube. Je trouvais que ça rendait ça rendait pas mal. Donc voilà, après il vous suffit d'enregistrer et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvé si vous l'avez trouvé bien. Et donc ça m'encourage à faire d'autres vidéos et d'autres tutoriels. Donc voilà, allez, ciao, à la prochaine.